Pour nous, ce match venait à la fin d'une préparation de 4 semaines, avec 2 stages, un en Tunisie et un en Kenya. Globalement, ces stages nous ont mis en difficulté puisqu'ils ont été organisés en tout cas dans des conditions très difficiles. On avait aussi des matchs amicaux contre des grosses équipes qui préparaient la Champions League, l'Espérance de Tunis et l'Étoile du Sahel, et ils étaient bien plus avancés que nous. Donc on a eu des défaites, mais dans le contenu c'était intéressant. Donc il fallait engager un bon match. On sait qu'à l'extérieur en Afrique c'est très très difficile. La première mi-temps a été assez équilibrée. Une erreur a permis à l'équipe adverse de prendre l'avantage. Ils ont été très efficaces. Et c'est vrai qu'on ne s'est pas énervé, on était solidaires. Et surtout on est revenu au score très vite avant la mi-temps. Ça a été, un tournant pour nous moralement. En deuxième mi-temps, on a eu de nombreuses occasions et on a mis pratiquement la dernière. Donc je pense que ça encourage les joueurs. Ils ont fait un travail dans la préparation, dans le match, très intéressant. Je pense que 4 semaines pour préparer une équipe, c'est à mon avis insuffisant pour une saison. Et je pense qu'on peut mieux faire et on doit mieux faire. Mais dans la gestion du match, on voulait maîtriser le match. On ne l'a pas toujours maîtrisé, mais on a eu la volonté de construire nos actions et on a eu des opportunités de scorer. Donc c'est intéressant pour un premier match officiel. Ce jour, il n'est plus joueur de l'USMA. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Je l'ai vu à l'entraînement et j'ai estimé qu'il avait intérêt à partir pour avoir du temps de jeu. Voilà, c'est un choix. J'ai, comme mon collègue, j'ai pas fait le recrutement et j'ai eu la possibilité de dire oui et non à certains joueurs. Voilà. Une équipe, elle est jamais à son maximum. Bien sûr qu'on a, beaucoup de travail à faire, notamment dans le jeu, dans les fautes techniques. On a fait des fautes techniques, surtout en première mi-temps, qui nous ont coûté un but. Donc la concentration, du mouvement. Après, on a toujours eu des occasions dans tous nos matchs amicaux. Et c'est vrai qu'il nous en faut, à mon goût, un peu trop pour pouvoir marquer parce qu'on s'expose à des contres. Et le match était très équilibré à un moment donné, surtout sur la première mi-temps. Donc je pense que moi, j'ai toujours envie que l'équipe fasse mieux. J'espère que les joueurs ont envie. En tout cas, ils l'ont démontré. On a toujours progressé. Et j'espère qu'on aura cette envie d'avoir des victoires au maximum. On sait qu'en Afrique, gagner à l'extérieur, c'est jamais facile. Je crois que c'est la première de cette année pour l'USMA. Je ne sais pas si c'est un signe, mais en tout cas, une victoire, ça se confirme à domicile. Parce qu'à domicile, c'est un sens très, très important pour nos supporters. Donc, il faudra être au rendez-vous. Pour nous, aujourd'hui, était un match très difficile. On a bien préparé l'équipe. On a perdu 2 joueurs qui sont très importants, sont des joueurs titulaires. Ça s'appelle Yannick et Rutanga. Nous sommes obligés de faire jouer des joueurs qui ne sont pas titulaires maintenant, même qui ne sont pas de cette poste-là, exactement pour régler le côté défensif. Maintenant, nous sommes en train de... Ça fait 26 jours que je suis ici et je suis obligé de travailler avec le groupe qui est déjà là. Pour nous, c'est le fond de la saison. Et malgré ça, nous sommes en train de préparer l'avenir du rayon. Il y a des éléments clés qu'on doit faire coûte que coûte pour jouer chaque match. Et je crois aujourd'hui, pour le premier mi-temps, on a très bien joué. On a fait circuler la balle contre une équipe très expérimentée qui utilise le contre-attaque avec le joueur numéro 11, par exemple. C'est un joueur très dangereux et nous sommes obligés de faire une marquage individuelle pour cette mission-là. Mais malgré ça, nous sommes en train de réussir. C'est dommage qu'au fin du match, notre joueur sont un peu fatigués. Mais on fait le maximum pour aider, donner protection et en même temps utiliser le contre-attaque pour marquer des buts. C'est ça le foot. Je dis, comme professionnel, après 25 jours ici en Rwanda, je dis bravo à l'équipe adverse parce que le foot, tu
tu ne peux pas rater des occasions de but. S'il y a la chance, tu dois marquer. Et c'est ça que l'équipe adverse, elle a fait. Et c'est pour ça que je dis bravo à tous les joueurs aussi, parce que je sais très bien beaucoup de difficultés que nous sommes en train de travailler. Mais, malgré ça, nous sommes en train d'organiser le rayon, le style de jeu. Le rayon, aujourd'hui, il peut jouer contre n'importe quelle équipe. Parce qu'il y a un style de jeu, il y a l'organisation. Et malgré ça, il y a une génération jeune qui est en train de commencer à jouer l'équipe senior. Nous avons eu un scénario mleh, où il y a une très belle victoire. ما تنساش بلي انا عندنا مده وحنا مبريباريو في افريقيا هنايا الحمد لله هذا ما جاتش في بطل ونعرف اليوم عندنا بالثلاث نقاط هذه اللي تعاوننا ان شاء الله باش نفوتوا للدور القادم ان شاء الله بالنسبه للمباراه هنا كان هذه المباراه الاولى تاعنا تاع الموسم كان على بالنا بلي حتكون شويه جينا شويه صعيبه سيرتو لي بريمير مينوت سيرتو كاع لا بريمير ميطون وين عرفنا المهم ليسونسيال عرفنا نجيريو الماتش مالغري مدينا لهم ان كادو في لو بيت البرومي بيت عدلنا النتيجه في الشوط الاول هذاك اللي ساعدنا باش ندخلوا الشوط الثاني مليح وين نظن اننا سيطرنا في الشوط الثاني وين تحت لنا عده فرص وقدرنا نضيفوا الهدف الثاني اللي سمح لنا باش نعودوا بثلاث نقاط هذو بيان سور دروك هاد لي 3 بوين هذا اللي جبناهم اليوم بلس ان شاء الله الماتش الجاي نلعبوا في بلادنا ان شاء الله 10 بوين 10 بوين سما تقول راك 90% ولا راك في البروشان تور نظن انا ان شاء الله نديروا اللي علينا ان شاء الله عندنا دروك حتى 29 ان شاء الله الماتش روتور ديروا اللي علينا ان شاء الله باش نحقوا هذاك الفوز اللي خلينا بعد نلعبوا لي دو ماتش هذوك باريحيه ان شاء الله نظن الاتحاد دروك بالك 80% ولا 70% من الجروب هذا لعب فينال ديجا شامبيونز ليغ لعب دومي فينال شامبيونز ليغ نظن عنده خبره اللي راه يتعاون باش يعرف يتاقلم في المباراه سيرتو هادو خارج الديار في افريقيا انا نفيليسيتي كاع لي جوار اليوم فيليسيتي تاني لي جوار اللي ما كانوش معنا في الجروب اور 18 كانوا في التريبين نقول لهم يعطيكم الصحه كانوا سوليدار مع ليكيب عاونوا ليكيب انكوراجاونا نقول لهم يعطيكم الصحه وان شاء الله نروحوا بعيد ان شاء الله هذا الموسم ان شاء الله الماتش كان جا في احسن الظروف كيما درنا لي كونسين تاع لونترينور جينا الماتش كوم الفو ونا ريكيبيري لي 3 بوان فالي باش ماتش الروتور نلعبوا اليز Mais alhamdoulilah que c'est la première fois peut-être qu'on joue en Afrique fait terrain qui m'a dit le terrain de l'abnah aliyum. Alhamdoulilah, j'ai mené les 3 points et mais le match retour, inchallah. Non, on a déjà les joueurs à la banne les matchs amicaux. Sur les matchs amicaux, on prépare pour, juste pour le match officiel de l'abnah aliyum. Alhamdoulilah, sur le l'abnah aliyum. Les matchs amicaux, mais la bonne chose, le moral. L'essentiel, le match officiel qu'on a présent, j'ai mené les 3 points. Oui, c'est vrai, les marqués de deuxième but, mais il y a déjà des gens qui ont encouragé les gens qui ont Mais c'est normal, tu as titulaire ou tu as remplaçant, les choix de l'entraîneur, je les respecte. Mais c'est que le premier match, ou mais c'est des matchs prochains, Charles. Donc les joueurs, ils ont dit que les supporters ont aimé la Coupe. Même si nous avons راهي السنة فينا دوكا نجيرو دوكا نجيرو ماتش بار ماتش ونسيو نفرحوا الأنصار تاعنا باش نجيبو لهم هذا اللقب